السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في درس اليوم سوف نتعلم جمل وعبارات جديدة من الحياة اليومية. حتى لا أطيل عليكم لنبدأ. كيف أقول لقد أقرضت المال لصديق لكنه رفض إعادتها؟ Oui, très bien. J'ai prêté de l'argent à un ami, mais il a refusé de me le rendre. J'ai prêté de l'argent à un ami, mais il a refusé de me le rendre. J'ai prêté de l'argent à un ami, mais il a refusé de me le rendre. مثلا إذا أردت أن أقول هو لديه الكثير من المال لدرجة أنه لا يعرف أبدا ماذا يفعل به. خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Il a tant d'argent qu'il ne sait plus quoi en faire. Il a tant d'argent qu'il ne sait plus quoi en faire. Il a tant d'argent qu'il ne sait plus quoi en faire. On peut dire aussi, il a beaucoup d'argent qu'il ne sait plus quoi en faire. C'est la même chose. Une autre phrase, هو حصد عواقب أو تبعات أفعاله. Il a récolté les conséquences de ses actes. Il a récolté. Récolter, un verbe de premier groupe, معناه يحصد. Il a récolté les conséquences de ses actes. Une autre phrase. أنا لدي ما يكفي من المشاكل في الوقت الحالي. لا أريد أن أضيف إليها أو لا أريد أن أزيد عليها. Oui, très bien. J'ai suffisamment d'ennuis en ce moment. Je ne veux pas en rajouter. J'ai suffisamment d'ennuis en ce moment. Je ne veux pas en rajouter. J'ai suffisamment d'ennuis en ce moment. Je ne veux pas en rajouter. On peut dire aussi. J'ai assez de problèmes pour l'instant, je ne veux pas en rajouter. J'ai assez de problèmes pour l'instant, je ne veux pas en rajouter. Une autre phrase. كلامه أو أقواله أثارت غضب والده. Ses paroles ont provoqué la colère de son père. Ses paroles ont provoqué la colère de son père. Ses paroles ont provoqué la colère de son père.
الآن كيف أقول هو أجبر على الاستقالة أو هو أجبر على أن يستقيل؟ Il a été forcé de démissionner. Il a été forcé de démissionner. Il a été forcé de démissionner. الآن استمع عزيزي المشاهد لهذه العبارة. Son attitude m'a amené à prendre désormais des distances avec lui. Son attitude m'a amené à prendre désormais des distances avec lui. Voilà la phrase. Son attitude m'a amené à prendre désormais des distances avec lui. الترجمة الحرفية هي موقفه قادني لأخذ مسافات عنه أو منه من الآن فصاعدا، ولكن معنى هذه الجملة هو قادني موقفه إلى الابتعاد عنه من الآن فصاعدا. Son attitude m'a amené à prendre désormais des distances avec lui. الآن كيف أقول هذا الطلاق كان نتيجة خلاف عميق؟ Ce divorce a été la conclusion d'un désaccord profond. Ce divorce a été la conclusion d'un désaccord profond. Ce divorce, يعني هذا الطلاق, la conclusion, يعني خلاصة أو خاتمة أو نتيجة, désaccord, يعني عدم التوافق, يعني خلاف, profond, يعني عميق. Ce divorce a été la conclusion d'un désaccord profond. Une autre phrase. هو رأى أخيرا نتيجة جهوده. Il a enfin vu l'aboutissement de ses efforts. Il a enfin vu l'aboutissement de ses efforts. L'aboutissement, yani résultat, yani natija. Il a enfin vu l'aboutissement de ses efforts. On peut dire aussi, il a enfin vu le résultat de ses efforts. C'est la même chose. Une autre phrase. Le mauvais exemple de ses camarades l'ont incité à fumer. Le mauvais exemple de ses camarades l'ont incité à fumer. Voilà la phrase. Le mauvais exemple de ses camarades l'ont incité à fumer. معنى هذه الجملة. القدوة السيئة لزملائه شجعته على التدخين. On a le verbe inciter, معناه يحرض أو يشجع. Le mauvais exemple de ses camarades l'ont incité à fumer. الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التميز وسؤال يوم يقول هم يتساءلون ماذا يمكنهم أن يفعلوا من أجله؟ كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. إلى فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم.